Ethan, parfois les apparences sont trompeuses. Il faudra que tu regardes bien au-delà, te projeter beaucoup plus loin. Ça va être douloureux. Ne m'en veux pas, Ethan. Ça t'aidera à accomplir ton destin. Les décès ne cessent de croître en raison des rejets biophysiques de l'oxygène artificiel appelé plus communément le mal du siècle. L'année dernière, j'avais 20 gamins dans ma classe. Cette année, j'en ai 12. Ethan White, vous savez ce que votre père a fait ici? Je vous présente le Chronicle. Si je vous disais que vous avez la possibilité de tous nous sauver, sauvez votre femme. Nous avons reçu un message qui venait du futur. Du futur? C'est une machine à voyager dans le temps? Ceux qui ont envoyé ce message ont dû trouver un remède. Tu crois vraiment que je vais sauver le monde? Ton père y croyait. Vous êtes peut-être la seule chance qu'il reste à l'humanité de trouver un vaccin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ethan, reviens-moi. Nous devons trouver ceux qui ont envoyé ce message. Nous sommes au commencement d'un voyage qui pourrait tout changer. Il faut que tu me fasses confiance. Il ne s'agit plus de trouver un remède. Il y a certainement quelque chose qui nous échappe. Imagine que nous sommes tous physiquement reliés à l'univers. Il y a un champ invisible qui nous lie les uns aux autres. Toi, moi, les étoiles. Nous ne pouvons rien changer. Tout ce qui doit se passer se passera. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes tous connectés à travers le temps. Il ne s'agit pas de sauver le monde.